Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous retrouve en vidéo comme vous l'avez vu dans le titre parce que cette semaine, nous avons franchi le cap des 1000 abonnés et en plus de ça, ça correspond à peu près également aux 2 ans de cette chaîne et du coup, je voulais juste vous remercier pour tout ça et faire une petite vidéo dédiée. Donc voilà, dans cette petite vidéo, elle va comprendre 3 petits points, à savoir tout d'abord un petit bilan de ces 2 années sur YouTube, puis le lancement de la FAQ. Et enfin, le concours pour fêter un peu tout ça. Donc du coup, par rapport au bilan, je vais faire très vite. Je voulais juste vous remercier tous énormément du plus profond de mon cœur. Mes 2 années passées sur YouTube ont été 2 années absolument géniales et je suis juste hyper ravie et hyper contente de m'être lancée sur YouTube puisque c'est vrai qu'au début, ça peut faire un peu bizarre de se retrouver tout seul dans son salon à parler à un appareil photo. Et du coup voilà, c'est quelque chose qui peut paraître un peu bizarre, en plus de ça il faut se lancer, c'est pas forcément évident au début, mais au final c'est vraiment quelque chose d'extrêmement positif, cela apporte énormément de rencontres, énormément d'échanges, énormément de... enfin voilà, tout ça c'est trop chouette, énormément d'amour en fait. Et du coup oui, je voulais tous vous remercier, que vous soyez abonnés depuis longtemps ou pas, que vous commentiez régulièrement ou pas, et voilà, je voulais vous remercier pour tout ça. Et également donc voilà tous mes amis booktubeurs et blogueurs que j'ai pu croiser ou avec qui j'échange sur les réseaux sociaux. Je voulais tous vous remercier également car c'est aussi grâce à vous que tout ça est super chouette. Et puis je voudrais également remercier forcément les maisons d'édition, les auteurs, les éditeurs, les blogueurs qui m'invitent à faire des conférences, etc. Parce que pour moi, voilà, ça, tout ça m'apporte énormément. Je trouve que ça m'a apporté vraiment beaucoup, beaucoup de très belles opportunités. Et je voulais vous remercier pour tout ça parce que c'est quelque chose... enfin, j'en attendais pas autant en me lançant sur YouTube. Et voilà, juste c'est vraiment super génial et super cool. Pour vous donner une petite idée, ces dernières semaines, j'ai entre autres eu un partenariat avec Kobo, donc la marque de liseuse, et ce qui fait que j'ai en ce moment en test leur dernière liseuse. Et en plus de ça, j'ai également été contactée par Audible pour un partenariat de plusieurs crédits, donc de plusieurs livres audio. Donc voilà, tout ça, c'est juste des opportunités absolument géniales et que j'attendais pas et qui sont arrivées très récemment. Et bref, voilà, tout ça c'est en grande partie grâce à vous et du coup je voulais vous remercier sincèrement pour tout ça. En plus de ça, j'ai pu, comme vous savez peut-être, rencontrer énormément de mes auteurs préférés ces dernières années et c'est juste absolument génial. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour, donc juste encore une fois un très très grand merci à vous tous. Pour le 2e point, on va faire plus vite, je lance la 2e FAQ de cette chaîne. Voilà, donc bon, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, par message privé sur Facebook ou message privé sur Instagram si vous préférez d'ailleurs. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions, que ce soit plus sur le plan personnel, sur le plan de mes études, sur le plan de... des livres, sur le plan de YouTube, sur le plan de ce que vous voulez. J'y répondrai avec très grand plaisir en vidéo. Je ferai ça d'ici, je pense, 2-3 semaines. Donc voilà, je vous laisse un petit peu de temps pour répondre à tout ça. Et puis ensuite, on va passer au 3e point, celui que vous attendez très probablement, à savoir le concours. Pour ce concours, j'ai 3 lots à vous faire gagner. J'espère qu'ils vous plairont. En tout cas, pour ma part, je suis très contente de pouvoir vous les proposer. Et du coup, je vais vous parler tout de suite de ces lots. Pour le premier lot, il s'agit d'un lot de 3 romans publiés chez France Loisirs dans leur collection Piment, donc de 3 formats poche. Et il s'agit de 3 romances en fait, puisque France Loisirs lance en juin son mois de la romance. Et du coup, vous aurez peut-être la chance de remporter l'assistant, soit Feeling Good de Fleur Anna, que vous connaissez peut-être puisqu'il a été publié à la base chez Hugo Roman. Il y aura également dans le lot Presque Jeune, Presque Jolie, De Nouveau Célibataire de Stéphanie Pellerin. Et enfin Au Bonheur de ces Dames de Angela VL. Pour ce lot, donc le premier, l'assistant, il s'agit d'une romance New Adult, donc qui peut comporter certaines scènes de sexe. Le second, je vous avoue que c'est celui que je connais le moins, il s'agit d'une romance, en tout cas plus d'une romance contemporaine je pense, et peut-être un peu orientée chick lit. Et pour le troisième, Au Bonheur de ces Dames, en revanche c'est un roman qui est dans la collection Piment Rouge et c'est donc un roman érotique
Donc voilà, je préfère prévenir, si vous souhaitez participer pour ce lot, voilà, il faut que vous devez vous attendre à lire des scènes érotiques et peut-être des scènes plus érotiques que ce qu'on peut voir dans les romances New Adult classiques qui peuvent être destinées à un public un peu plus jeune. Donc voilà, c'est un lot pour public averti. Pour ce qui est du second lot, il s'agit du roman Car si l'on nous sépare de Lisa Strom. C'est un roman absolument magnifique que j'ai énormément apprécié pour ma part. Il s'agit d'un roman qui est une fiction qui parle de l'histoire de Munch, à savoir qu'il y a beaucoup de... Enfin, en fait, il y a des faits qui sont réels dans ce livre et puis il y a également des faits romancés qui se sont ajoutés autour. Du coup, ça parle du peintre Edvard Munch dans son petit village de Norvège où il aimait peindre. Et de ces histoires d'amour, qui sont passionnantes et un peu dévorantes également. Et puis ça parle également de l'époque, etc. Et tout ça du point de vue d'une petite fille. C'est un roman que j'ai vraiment énormément apprécié et je vous le recommande très fortement si vous aimez la peinture, si vous aimez les romans, si vous aimez les romans sur des personnages qui ont existé. Et si vous aimez également les romans historiques, puisque du coup ça se passe en 1893. Enfin voilà, pour moi c'est vraiment un roman que j'ai beaucoup beaucoup apprécié, j'étais très contente de le découvrir. Je l'ai eu de la part de Babelio, puisqu'en fait il m'avait remis donc du coup une épreuve non corrigée, puis ce livre en version définitive lors de la rencontre avec l'auteur. J'ai décidé de garder la version en épreuve non corrigée et de vous faire gagner celle-ci. Et du coup, comme j'ai rencontré l'auteur, le livre est dédicacé. Et enfin, donc pour le troisième lot, il s'agit de Tu comprendras quand tu seras plus grande de Virginie Grimaldi, donc publié aux éditions Le Livre de Poche, puisqu'il vient de sortir chez Le Livre de Poche. Celui-ci, donc, je ne l'ai pas lu, mais en fait, j'ai rencontré également Virginie Grimaldi récemment, et on nous a remis à cette occasion son dernier roman qui vient de sortir, donc Le Parfum du Bonheur est plus fort sous la pluie, que j'ai méga adoré. Et également celui-ci en format poche, sauf que je le possède déjà en grand format. Et du coup, et bien vu que je ne vais pas garder les deux, j'ai décidé de vous faire gagner ce format poche qui est du coup lui aussi dédicacé vu que j'ai rencontré Virginie Grimaldi. Du coup, j'ai pas lu ce roman-ci, mais je sais qu'il se passe dans une maison de retraite et qu'on a une jeune femme, en fait, on suit une jeune femme, et du coup, ce sont en général des romans contemporains, très tendres, très touchants, avec beaucoup d'émotions, donc qui peuvent faire un petit peu pleurer, mais qui font aussi sourire et rire à beaucoup de moments. Voilà, ce sont vraiment des romans très sincères, et pour ma part, j'ai adoré son roman suivant, donc voilà, je pense que c'est une valeur sûre que je vous propose ici. Du coup, j'espère que ces lots vous plairont. Pour ma part, je suis très contente de pouvoir vous les proposer. Par rapport aux conditions de participation, il y a un petit formulaire dans la barre d'information juste en dessous. Vous pouvez participer pour les trois lots, mais vous ne pourrez en remporter qu'un seul. Ça paraît logique. À part ça, donc, il faut être abonné à cette chaîne, vu que c'est un concours pour remercier mes abonnés. Il faut également que vous alliez liker la page de France Loisirs si vous décidez de participer au lot offert par France Loisirs. Il vous faudra également habiter en France métropolitaine et j'en suis vraiment navrée, mais voilà, vu que les deux derniers livres sont des envois à ma charge, je ne peux pas me permettre de les envoyer plus loin. Et à part ça, donc si vous êtes mineur, vous devez avoir l'accord de vos parents puisque vous allez devoir donner quelques informations personnelles, à savoir nom, prénom, adresse mail et adresse postale en cas d'envoi des colis si vous gagnez. En revanche, je tiens à préciser que si vous ne gagnez pas, vos adresses, etc. ne seront absolument pas conservées. Et si vous gagnez, vos adresses ne seront utilisées que pour vous envoyer les colis. Le but n'est absolument pas d'envoyer d'autres choses ou quoi que ce soit. Donc voilà. J'espère que ça vous plaira et si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à participer et je vous souhaite vraiment bonne chance pour ça. Et pour ma part, je vous retrouve très bientôt en vidéo. Salut !